Here we are today at the Tseuzier Dam in Valais, Switzerland, to start an inspection project in collaboration with Energie Sion Région. We're at about 1,800 meters altitude. At the top of the dam is about 280 meters long, and on this side is 130 meters tall, making a total surface area of 17,000 square meters to inspect, which will take us about 50 flights. So this project presents us with several challenges: the changeable weather conditions at this altitude, the scale of the project, and the irregular shape of the dam. The feature that made this project possible are the distance lock, here set up at 3.7 meters, giving us a resolution of 0.6 millimeter per pixel. To assure the overlap, we use the auto trigger and also the cruise control set up at 0.2 meter per second. So the operator just have to keep the drone in the flight line. When we prepare the project to ensure sufficient overlap, we calculated that we needed to do a vertical flight line every 3 meters. So we just put some marks every 3 meters all along the dam. At the middle of the dam, we take the drone down to minus 75 meters below takeoff. Taking picture the whole time with the way back up, it takes about 17 minutes. L'observation visuelle est un élément essentiel et prioritaire dans le cadre de la surveillance et de l'exploitation d'un ouvrage d'accumulation. Toute détection d'anomalie est immédiatement prise en compte par les organes de surveillance et peuvent initier des mesures à prendre dans le cadre de la sécurité de l'ouvrage. Aujourd'hui, les barragistes effectuent ces relevés à l'aide d'une nacelle. Ils se font descendre le long du parement aval du barrage et effectuent des relevés manuscrits sur des plans. On voit ici un exemple des documents qui en résultent, soit environ 150 pages, effectués par une personne au bureau après un premier relevé provisoire dans la nacelle. So, with 7,000 photos taken, we finished the inspection. Now back to the office to process the data. Alors les relevés effectués à Tseuzier ont permis d'obtenir une image à haute résolution du parement aval de l'ouvrage avec une possibilité de voir des fissures inférieures à 0,5 mm. La qualité est donc particulièrement élevée. Le fait de pouvoir disposer d'une photo haute résolution de l'ensemble du parement aval du barrage est d'un apport particulièrement intéressant car il permet d'avoir vraiment la situation à un moment donné et de pouvoir travailler ultérieurement au bureau pour affiner certains relevés, ce que l'on ne peut absolument pas faire actuellement. De plus, les campagnes ultérieures pourront être faites dans exactement les mêmes conditions de prise de vue, ce qui fait qu'on aura des comparaisons qui seront absolument fiables. Et ceci est vraiment un gros avantage dans le cadre de la surveillance d'un ouvrage, de ses dégradations, de l'évolution de certaines fissures ou des appuis, des zones d'appui avec des dégradations dans les falaises également. Alors, au vu de la qualité des résultats obtenus, l'utilisation de drones dans le cadre de la surveillance et de l'exploitation des barrages semble promise à un bel avenir et il est même à attendre que les autorités de surveillance recommandent son engagement pour établir des états de référence ou des états ultérieurs qui vont permettre de mieux suivre l'évolution de certains phénomènes dans les barrages.